Notre dossier du dimanche soir, des contrariétés en série ou tout simplement une immense fatigue physique. La vie en entreprise n'est pas toujours simple et pour dénouer certaines tensions, eh bien, certains patrons font appel à des ostéopathes, des séances gratuites pour les salariés organisées pendant les heures de travail. Abiyash Sinva, Marie-Candice de l'Ouvrier, Fabien Garot. Cette usine produit 24 heures sur 24 des pièces automobiles pour les plus grandes marques françaises. Des éléments de carrosserie qui ne pèsent pas forcément lourd, mais qu'il faut sans cesse manipuler en multipliant les postures. Résultat, le dos des salariés est très sollicité. Il y a un an, l'entreprise a donc décidé de leur offrir un petit cadeau, inclus dans le temps de travail. Une séance d'ostéopathie gratuite et sans quitter l'usine. Effectivement, au niveau de votre bassin, il y a un espèce de petit blocage et un manque de mobilité dans une articulation qui s'appelle l'articulation sacro-iliaque. Une aubaine pour ce salarié de 28 ans. Récemment, il a dû plusieurs fois s'arrêter de travailler à cause du dos, sans s'autoriser une telle consultation. Vous ne seriez pas forcément allé chez l'ostéopathe sans ça? C'est pas facile de prendre rendez-vous, c'est toujours 50 euros en moins, c'est pas facile. Et là, vous ne regrettez pas? Non, pas du tout. Contre moi, la démarche permet aussi à cette jeune ostéopathe d'élargir sa clientèle à moindre frais. Tout ce qu'on a à avoir, c'est une salle comme celle-ci. On vient avec notre table de pratique et puis c'est parti, on a nos mains, donc notre outil est plutôt facile à transporter. Elle reverse en revanche une part de sa rémunération à une société intermédiaire. Il en existe plusieurs en France spécialisées dans l'ostéopathie en entreprise. Que vous sentez. Dans notre usine, la prestation comprend aussi ce cours d'étirement, une fois par mois. Vous rentrez bien le menton vers le... Vous sentez que ça descend plus bas ? Pascal souffre du dos en permanence et s'étire pour la première fois de sa vie. Ça va peut-être faire du bien au début, puis après, ça va recommencer. Vous n'y croyez pas vraiment ? Je ne sais pas, je suis sceptique. L'entreprise, elle y croit. Les salariés qui suivent ce cours sont payés en heures supplémentaires. Chaque mois, l'usine investit 1500 euros pour l'ostéopathie. Aujourd'hui, les jeunes ne prennent pas conscience, en fait, forcément des problématiques qu'ils peuvent avoir. Et demain, je pense qu'ils s'en rendront compte quand ils verront des collègues qui seront en meilleure santé, entre guillemets, et puis peut-être d'autres avec quelques problématiques. Et je pense que c'est quelque chose qu'on verra peut-être dans les 5-10 ans. Et je pense que c'est là où on pourra se dire, voilà, oui, c'était gagnant de le faire aujourd'hui pour le futur. L'ostéopathie n'a pas encore d'impact sur les arrêts de travail, mais a provoqué une vraie prise de conscience chez les salariés sur la prévention du mal de dos. Le mois prochain, tous ont d'ailleurs accepté